Eureka! Nous allons voir ensemble comment décaper de la rouille. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. De la bâche, une serviette éponge, une brosse métallique, une meuleuse, une lime, du papier abrasif, un chiffon, un masque de protection, des gants de protection, des lunettes de protection, du produit dégraissant, un pinceau plat, une spatule métallique, du décapant chimique, une sous-couche isolante, de la peinture anti-rouille, un bocal, du papier absorbant et un solvant. Première étape, préparez votre environnement de travail. Si vous travaillez en extérieur, travaillez au-dessus d'une bâche afin de recueillir les résidus de rouille ou les coulures de produits chimiques très toxiques pour l'environnement. Si vous travaillez en intérieur, en cas de décapage mécanique, protégez votre sol et vos meubles de la poussière générée à l'aide d'une bâche. Obstruez le bas des portes avec des serviettes éponges et ouvrez la fenêtre afin de travailler dans un espace aéré. En cas de décapage chimique, protégez votre sol des éventuelles coulures de produits à l'aide d'une bâche et travaillez dans un espace ventilé en ouvrant bien les fenêtres. Deuxième étape et première méthode, décapez la rouille mécaniquement. Plusieurs outils sont à votre disposition pour décaper la rouille mécaniquement. Le choix dépend de la taille et de la forme de la pièce à décaper. Pour une grande surface plane, utilisez une meuleuse ou une ponceuse munie d'une brosse rotative qui offre efficacité et confort d'utilisation. Pour des surfaces plus irrégulières, la brosse métallique manuelle est à privilégier. Enfin, les parties difficiles d'accès et les courbes seront décapées avec une lime ou du papier abrasif. Pour décaper la rouille mécaniquement, équipez-vous de gants, de lunettes et d'un masque de protection. Décapez le support avec l'outil adéquat jusqu'à ce que la couche de rouille ait disparu. Puis, dépoussiérez-le. Au besoin, renouvelez l'opération. Deuxième méthode, décapez la rouille chimiquement. Pour décaper la rouille chimiquement, brossez grossièrement la surface à décaper avec une brosse métallique et dégraissez le support avec un produit dégraissant. Prélevez du décapant à même le pot avec un pinceau et étalez une couche épaisse de décapant sur la partie rouillée. Puis, laissez agir durant le temps indiqué par la notice du fabricant. Ensuite, en vous aidant d'une spatule ou d'une brosse métallique, grattez la partie rouillée jusqu'à éliminer tous les résidus. Renouvelez l'opération si nécessaire. Troisième étape, les finitions. Appliquez tout d'abord au pinceau une sous-couche isolante qui isolera le métal de l'humidité de l'air et empêchera qu'il rouille à nouveau. Pour finir, une fois le support sec, appliquez une couche de peinture, de préférence anti-rouille, particulièrement pour les pièces de métal destinées à rester en extérieur. Quatrième étape, nettoyez les outils. Dans un bocal, versez un peu de solvant conseillé par le fabricant. Puis, laissez tremper le pinceau et la spatule quelques heures. Égouttez-les, puis essuyez-les avec du papier absorbant. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.